Eh bien, bonjour à tous. Retour avec notre ami Thierry Khaled de la société Maxi. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Encore un grand merci pour la dernière vidéo que tu as fait avec nous. Ça a fait plein de personnes intéressées. On a eu plein de questions. Alors, comme j'avais annoncé, il y a plein de sujets qu'on n'a pas vus. Cette fois-ci, ce que je voudrais, c'est que tu nous présentes la météo et toutes les possibilités que l'on a autour du téléchargement de la météo sur les cartographies que l'on aura, qui existent déjà sur le logiciel ou que l'on aura préalablement fait avec notre PBG. Bon, très bien. Donc, effectivement, la météo, c'est un aspect intéressant. Donc, on va le voir tout de suite. Alors, ce qui va être intéressant dans la météo sur TimeZero, c'est que justement, on va pouvoir superposer la météo sur la carte. Parce qu'effectivement, la météo, ben, vous l'avez sur vos applications, sur téléphone, vous l'avez avec Evelyne Delia à la télé. Donc, vous avez l'information de la météo. Mais nous, là, ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est de voir la météo sur la carte, à l'endroit où on va pêcher. Donc, on a terminé la dernière fois, justement, sur le PBG, sur retrouver une zone qui va m'intéresser pour la pêche. Donc, je dois voir dans mon espace 2D, 3D. Donc, voilà. Donc, ici, on est sur un secteur donc, qui avait été cartographié donc par un pêcheur, hein, on peut dire cartographié à ce niveau-là, avec ce niveau de précision-là. Donc ici, où on avait l'information de la profondeur, où on pouvait repérer ici des zones où il serait intéressant pour lui d'aller pêcher. Donc là maintenant, ce qu'on va rechercher, puisqu'on sait dans quel secteur on va aller pêcher, ça va être les conditions météorologiques à cet endroit-là. C'est ça qu'on va aller rechercher. Bon, donc là on va déménager hein, pour pouvoir voir ces informations-là. On va aller chez toi quand même, Guillaume, ça serait pas mal. On va aller en Méditerranée. Thierry, merci. J'aime beaucoup la Donc là, passage. Hein. ouais. Donc déjà dans je vais y arriver. La météo, vous la récupérez directement dans le logiciel. Vous n'avez pas besoin de passer par un logiciel externe, d'aller ouvrir la météo directement dans le logiciel. Vous allez pouvoir l'afficher directement dans le logiciel. Alors pour ça, on va passer par l'espace mise à jour ici. L'espace mise à jour va me permettre de télécharger la donnée directement dans le logiciel. Donc ici, je suis sur une version pro hein, avec les données gratuites, c'est-à-dire toute version pro que vous avez aujourd'hui permet de télécharger les données directement et de façon gratuite, hors coût de communication, mais là ça dépend si vous faites avec une connexion 4G, avec votre forfait téléphone ou le Wi-Fi avant de partir. Donc ici, effectivement, moi j'ai des données supplémentaires océanographiques auxquelles je n'ai pas accès parce que je n'ai pas le module océanographique qui lui est plus dédié aux thoniers, senneurs ou type de pêche professionnelle qui vont avoir besoin d'informations beaucoup plus précises, beaucoup plus pertinentes et qui auront un espace dédié pour travailler sur l'altimétrie et sur les données océanographiques. Bon, nous, là, on va regarder ce qu'on a de base, c'est-à-dire quelles sont les informations que l'on peut télécharger et afficher directement dans TimeZero de façon totalement gratuite. Donc, dans les données gratuites, on va avoir tout ce qui est information atmosphérique, de vagues, d'océans et certaines données océanographiques comme la température de surface, l'altimétrie et la chlorophylle. Je reviendrai peut-être un petit peu sur ces aspects-là. D'abord, le principe du téléchargement. Bon, déjà, je vais sélectionner la zone sur laquelle je vais télécharger ma météo. Donc ici, pour faire plaisir à Guillaume, donc on a dit qu'on allait en Méditerranée. Donc je choisis ici la zone, c'est-à-dire que j'ai un outil hein, de zone de mise à jour, et je vais entourer la zone pour laquelle je veux afficher mes données météo. Donc, je prends un peu plus large hein, parce que pour les données, tout ce qui est données justement atmosphériques, le vent, les pressions, ces choses-là, je préfère anticiper, hein, c'est-à-dire de voir venir. Si je prends une zone trop petite, je ne pourrais pas anticiper l'arrivée de vent un peu plus fort, d'une dépression, d'un anticyclone. Donc, je prends toujours beaucoup plus large, hein, évidemment, que ma zone de pêche. Donc, je vais plutôt situer le centre de ma recherche au milieu, c'est-à-dire dans le secteur sur lequel je me trouve. Donc je vais donc positionner le centre. Une fois que j'ai choisi la zone géographique que je veux télécharger, je choisis le nombre de jours. Alors le nombre de jours, il ne s'applique pas à toutes les données. Il s'applique uniquement à certaines données
de façon différente. Par exemple, on va avoir la possibilité de télécharger jusqu'à 15 jours pour des données de vent, pour des données de ce type-là. Par contre, sur de la donnée océanographique, ça va être de la donnée sur la journée. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir 15 jours de prévision d'évolution de la chlorophylle ou de l'altimétrie. C'est-à-dire que autant pour la météo classique, qu'on va appeler classique, comme le vent, la température, les nuages, les pressions, l'humidité. Alors les vagues, bon là on va encore se fâcher avec Guillaume, mais je suis sur un modèle gratuit océanique, donc je n'aurai pas de vagues en Méditerranée, donc je vais les prendre juste pour vous les montrer sur l'autre partie, désolé. Je prends les courants, bah, s'il y a des courants quand même en Méditerranée, et donc l'altimétrie. Donc je choisis ici les données qui m'intéressent, donc je ne vais pas prendre 15 jours, ça ne sert à rien, je vais prendre 5 jours, donc dans les 5 prochains jours ici, donc j'aurai la météo. Une fois que j'ai choisi la zone, le nombre de jours, les données qui m'intéressent, je vais tout simplement cliquer sur le bouton ici, télécharger. Et là, il va lancer le téléchargement directement dans le logiciel. Alors, l'espace mise à jour dans lequel je me trouve ici, et dans lequel il est en train de faire le téléchargement, est un espace qui ne sert qu'à commander la donnée. Je ne vais pas m'en servir depuis cet espace-là. L'espace dans lequel on va travailler, c'est l'espace dans lequel on va planifier son futur travail, donc c'est l'espace planification. Donc je vais dans l'espace planification. Donc pour l'instant, évidemment, on n'a rien. Je vais enlever ici les 9 data. Je vais garder ici que les informations du curseur. Et là, donc, je veux afficher la météo. Donc dans l'espace planification, je vais ici dans le ruban, trouver le bouton météo. Je clique sur le bouton météo. Et ici, je vais lui demander de m'afficher la météo. Alors, vous voyez qu'ici, par défaut, donc, il m'a affiché certaines informations. Donc, je vais zoomer toujours ici sur la Méditerranée. On voit ici des particules animées. On voit des couleurs. Donc, les couleurs qui vont correspondre, on le voit ici à l'échelle, comme on a vu pour la bathymétrie, donc l'échelle qui correspond à la force du vent entre 0 et 40 nœuds de vent. Donc on voit ici qu'il y a une zone où ça souffle bien. Donc ici j'ai des informations de vent, mais je peux choisir la donnée que j'affiche. Donc on a des pré-réglages dans TabZero, c'est-à-dire qu'on a déjà défini ce qu'on voulait afficher. Donc là je vais afficher par exemple mes vagues. Ah, il n'y en a pas en Méditerranée, hein, donc effectivement, hein, donc les vagues, ça sera qu'ici. Donc on peut afficher effectivement donc les pressions, les nuages, les courants, mais on y reviendra, les températures de surface, l'altimétrie, la chlorophylle, donc toutes les données que j'ai téléchargées au préalable, je vais pouvoir les afficher les unes après les autres en fonction de ce que j'étudie. Donc si j'ai déterminé, comme on l'a vu tout à l'heure, la zone dans laquelle je veux aller pêcher, donc ce qui va être intéressant, comme je disais, ça va être de repérer justement dans ce secteur-là quelles vont être les conditions de météo et les conditions océanographiques pour voir lesquelles vont être les plus intéressantes. Donc si j'affiche ici par exemple sur ce secteur-là, on va afficher juste le vent. Donc déjà j'ai une première information sur le vent. Et ce que je vais afficher en général aussi, que j'accompagne, je vais rajouter ici un NavData, qui est très intéressant, qui est le NavData Météo. Parce que lui, il va me permettre en fait, d'afficher, je vais le détacher pour qu'on le voit mieux, il va me permettre d'afficher à l'endroit où se trouve mon curseur toutes les informations, c'est-à-dire à l'endroit précis. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai trouvé mon spot, l'endroit où je vais aller pêcher, si je mets mon curseur dessus, en fait, vous pouvez lire sur la partie droite toutes les données disponibles à cet endroit-là. Donc, je vais avoir la direction du vent, la direction des courants, l'altimétrie, la chlorophylle et les pressions. Donc, toutes les informations que j'ai demandées vont s'afficher. Donc là, par exemple, les vagues, ben, je ne les ai pas. Hein, donc, on va les enlever. On va les enlever. Par contre, la température de surface, ben, elle m'intéresse. Donc, je vais demander ici la température de surface en plus. Et vous voyez que maintenant, quand je me déplace, j'ai toutes les informations. Donc là, on est sur la météo, on va dire, classique. Guillaume, je sais que lui, ce qu'il va chercher, justement, c'est sur son point de pêche, c'est des informations un peu plus que la donnée météorologique. Ça a des données qui vont déterminer en fait l'endroit où va se trouver le poisson par rapport à la zone dans laquelle j'ai décidé de pêcher.
Donc pour ça, je ne vais pas aller sur les données classiques de météo, que je pourrais superposer très bien par la suite, hein. Je vais aller chercher une autre donnée. Donc la première donnée que je vais aller chercher, c'est la donnée de chlorophylle. Donc je vais afficher que la chlorophylle pour l'instant. Pourquoi la chlorophylle? Ben, la chlorophylle, en fait, c'est le début de la chaîne alimentaire pour les poissons. C'est-à-dire là où il y a des chlorophylles, il y a des petits poissons. Là où il y a des petits poissons, derrière, il y a des gros poissons. Et derrière les gros poissons, il y a Guillaume qui, évidemment, les attend pour pouvoir les attraper le plus rapidement possible. Donc, on va chercher des zones où la concentration en chlorophylle est intéressante. Et on va voir qu'ici, par exemple, on est ici entre 0,15 mg par mètre cube en bleu et jusqu'à 1,17 mg par mètre cube en rouge. Donc on voit qu'ici, on a un secteur qui a l'air de se détacher. D'accord? Donc si c'est le secteur évidemment que j'ai présélectionné pour aller pêcher, ça tombe bien, hein? C'est-à-dire si je sais que là, les reliefs sont favorables. Donc ici, on a par exemple une épave, hein? Souvent, ça peut être justement une source intéressante. La chlorophylle va s'agréger tout autour de l'épave, donc ça va attirer effectivement les poissons. Donc ça va être intéressant. On va aussi effectivement éventuellement afficher, regarder l'altimétrie. Je vais voir si elle est intéressante dans cet endroit-là. Donc on n'a pas, si on a quand même une zone altimétrique intéressante. L'altimétrie, c'est quoi? Donc la chlorophylle, c'est le début de la chaîne alimentaire. L'altimétrie, elle, c'est la déformation de l'eau. Donc en fonction, donc je vais changer l'échelle, ce sera plus parlant. En fonction de la température et de la pression. C'est-à-dire que l'endroit en fait, où la température va être plus chaude, donc je vais avoir des eaux un peu plus hautes, et l'endroit où la température va être plus froide, je vais avoir des eaux un peu plus basses. Et ce qui va m'intéresser surtout, ça va être ce secteur-là, là aussi où on retrouve des isolignes, mais cette fois-ci, donc ce sont des isolignes d'altimétrie qui se resserrent. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai un front qui est intéressant, un front. Et ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, sur ce secteur-là, ce front-là va générer des courants. Donc, on va voir si j'affiche maintenant donc les courants. Donc, on va pouvoir ici, alors on le voit pas bien. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur un réglage que j'avais à l'avance, ou alors je vais créer mon propre pré-réglage. Donc, je vais aller ici sur pré-réglage. Donc, moi, j'ai dit que ce qui m'intéresse, donc c'était dans un premier temps de voir en couleur ici la chlorophylle. Donc le début de la chaîne alimentaire. Les isolignes, ce qui m'a intéressé, c'était de voir aussi effectivement l'altimétrie, pour voir justement ce phénomène d'eau chaude, eau froide qui vont générer des courants. Et justement, hein, donc on va vérifier, on va afficher sous forme de symbole ici, donc les courants, justement. Bon, on va rajouter même une autre information qui peut être intéressante pour me positionner. Oui, Guillaume? Thierry, dans les isolines, tu as mis chlorophylle. Ah, bonne remarque. Donc, je voulais mettre l'altimétrie. Il est vigilant, c'est bien. Donc, on va mettre l'altimétrie. Et au niveau ici des particules, on va mettre le vent. C'est-à-dire qu'on aura comme ça en même temps un affichage sous forme de symbole des particules. Donc, en fait, ici, vous voyez que j'ai regroupé les informations qui m'intéressaient. Donc, je vais avoir des courants. Et vous voyez qu'ici, sur ma zone où on a affiché, d'ailleurs, temporairement, je vais juste réafficher les couleurs pour l'altimétrie. Voyez qu'en fait, ici, on va arriver à retrouver des courants qui sont tout autour d'une zone, d'un secteur d'altimétrie. Donc, on va revenir sur la chlorophylle. Que je ne me trompe pas, elle est ici. Donc, j'ai mon secteur ici qui m'intéressait. Donc, avec une proportion de chlorophylle qui est intéressante, une teneur en chlorophylle qui est intéressante. Et j'ai ici l'information de la direction des vents et surtout l'information de la direction des courants. C'est justement à partir de ça que je vais savoir comment me positionner justement par rapport à mon point, à la zone que j'ai repérée au niveau de la bathymétrie, au niveau du fond. Je sais qu'ici, la proportion en chlorophylle est intéressante, c'est-à-dire que si j'ai le choix entre deux côtés de la tête de roche, ben la chlorophylle va m'indiquer
Donc, en fonction des courants, justement, hein, puisque c'est les courants qui vont pousser, hein, l'alimentation sur la roche, va m'indiquer de quel côté, justement, je dois prendre la roche, justement, ou de quel côté me positionner. Et ensuite, les courants, comment je vais positionner mon bateau par rapport à la dérive du bateau et à la dérive de ma ligne, pour savoir effectivement quel est le meilleur endroit pour me positionner et dans quel sens me positionner pour être le plus efficace possible. Eh bien, merci encore Thierry pour toutes ces précieuses informations. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des fonctions qui peuvent vraiment intéresser les pêcheurs autour du logiciel Maxi. Bien évidemment, il y en a plein d'autres comme les calculs de route, la navigation. Peut-être y reviendrons-nous si Thierry, tu trouves un petit peu de temps à nous libérer. Merci encore pour le temps que tu as dégagé pour nous et puis n'hésitez pas à nous poser des questions après cette vidéo. Nous essayerons d'y répondre et si vraiment je cale, bah, je demanderai à Thierry. Merci. Merci, merci, merci Guillaume, merci à tous. Merci et bye bye.